soit terminé, quoi, déjà. Non, mais là, il y a plein de petits trucs qui vont pas. Enfin, rien qu'avec les lumières, je me rends compte que ça fait ressortir les plis sur la page. Du coup, il faut que je les enlève. Il y a plein de petits trucs à finir, quoi. Ça, sinon peut-être que ouais, ça c'est un peu ces deux petits morceaux à coller. Sinon j'enlève celle-ci qui est toute seule isolée sur le mur. Et je, là par contre, je peux la rouler. Ouais, c'est joli, tu peux la rouler. Je trouve ça quand même assez beau que les deux grilles se croisent comme ça. Vraiment, il est plutôt par en dessous. Moi j'aime bien parce qu'elle se confond avec celle-ci et elle sort légèrement en fait. Ça, ce serait peut-être plus à droite, celle-ci. C'est une œuvre que j'ai pensé vraiment pour Emmerich. C'est de la photosensibilisation. Donc c'est de la photo sur pierre. Donc avec tous les échecs qu'il y a pu avoir, ça a pris un mois à peu près. Je suis sereine, mais assez fatiguée. Et puis, il y a un petit peu de stress quand même. Parce que c'est une énorme visibilité dans l'art contemporain. Je pense que c'est pas mal. Ah oui, il y aura la lumière aussi. Gaëlle et elle nous a, je crois, tous donné des espaces hyper privilégiés, sans consensus et en même temps en trouvant pour chacun exactement ce dont il a besoin. On va rencontrer un jury de référence et du coup ça va être une super. C'est vraiment un cadeau d'avoir à un moment donné un dialogue avec ces gens-là. J'avais envie de faire cette superposition de quelque chose de la fois très pictural et très vraiment de l'ordre du signe avec ses griffures. Je suis content, je suis impatient. C'est toujours assez important comme moment le vernissage, de confronter toutes ces choses à des gens qui vont les observer. C'est à la fois impressionnant et puis en même temps c'est très agréable aussi. L'idée du tondeau que tu fais là-bas avec ce cuir tendu qui est un clin d'œil à la peinture classique. Oui, complètement. D'un format, du drapé aussi. Et d'un format hyper identifié dans la peinture que tu ramènes dans une version hyper contemporaine. Et parfois, je sais pas pourquoi là ça le fait pas, mais parfois ça rebique. En fait, c'est au bout d'un moment, je crois. Il va plus rebiquer sur le bord. Ouais. C'est un ensemble dont il n'y a pas forcément de chronologie dans la découverte des œuvres. Parce que par ailleurs, il y a des gens qui ne vont pas passer par ici en premier. Ouais, non. Monter. Et ça n'a aucune importance. Okay. C'est-à-dire, franchement, c'est pas du tout. Il n'y a rien à. Enfin, en fait, il faut faire des liens, mais sans que ça résolve quoi que ce soit. Je vais les suspendre et je. Elles sont comme ça, un peu à l'écart du mur. Il y a une trentaine de gravures, une sorte de journal. J'écris en Chine pendant un mois à chaque fois que j'entends des pétards exploser. Gaëlle, on peut allumer les pétards ? Non, on a juste lumière, ça va déclencher la lampe. Mais s'il te plaît. Combien ça pèse, ça ? Je ne sais pas exactement. Bah là, mon souci, c'est que j'aimerais que la lumière qui vient vers les portes soit plus blanche. Donc, il faut que je trouve ça. En fait, moi, ce que j'avais envie, c'est pas d'être comme ça, c'est d'être blanc devant. Parce que de là, tu as une vision de la pièce mille fois mieux quand elle est éclairée proprement, quoi. Ouais, cette pièce, c'est une installation in situ. Enfin, in situ parce qu'elle est... Bon, de toute façon, elle s'expérimente en tout cas sur place et elle a été faite aux dimensions, en fait, du couloir d'Emmerich. Donc c'est complètement fait pour le lieu. Mes premiers hockey avaient justement une sorte de timidité qui me plaisait. C'est vrai que ça là, on entre quand même dans quelque chose de plus spectaculaire. Après, j'aime bien me contredire, quoi. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché. Pour moi, après, c'est une chose que je dis souvent. Je trouve que pour l'artiste, la contradiction, c'est la seule forme de dépassement dialectique qui lui est permis, on va dire. C'est pas sec, non. Je vais le dire face caméra, ce n'est pas sec. Voilà. Donc, ça va être dans le rush, quoi. Demain. L'idée, c'était de faire une session dans l'espace, comme ça, une césure, et qu'on doit contourner, et qui aussi empiète sur l'extérieur. Parce que moi, c'est de base l'endroit qui m'a intéressé, parce qu'il y a beaucoup de lumière, et pour activer le verre, il faut de la lumière naturelle. Et donc, du coup, j'avais envie que la ligne qui est radicale se
trace et s'échappe un peu dans la nature ou à contrario revient vers l'intérieur. Ça prend forme. J'ai hâte que la dernière pièce soit aussi installée. Je pense que ça va être une belle exposition. Ouais. Ça va être une belle expo. Donc ça fait 4 ans qu'on a mis en place cette bourse Révélation Imerige. Chaque année, en réalité, j'ai essayé de faire en sorte que le propos soit pas de dire on juxtapose des artistes, on met des artistes les uns à côté des autres et puis on voit ce que ça donne, mais d'essayer de donner une tonalité à l'exposition en fonction des travaux des artistes. L'idée d'une œuvre, c'est forcément qu'elle a un coup d'avance sur nous, c'est-à-dire que l'œuvre, c'est pas quelque chose, et là on va le voir en faisant un tour rapide, une œuvre d'art, c'est pas quelque chose qui serait un discours plaqué, qu'il faudrait réciter de A à Z, et en le récitant, on aurait compris quelque chose. L'idée de l'inconnu d'avance, c'est qu'on invente ensemble ce qu'est cette œuvre-là. Donc votre travail aussi de médiateur, ça va être de vous approprier ces œuvres avec ce que les artistes vont vous raconter et d'inventer finalement les discours qui vont accompagner toutes ces pièces. Lyotard, le philosophe Jean-François Lyotard, avait cette phrase assez jolie, il disait « une œuvre est postmoderne avant de devenir moderne », c'est-à-dire que l'œuvre, elle a toujours un temps d'avance sur nous, elle a toujours ce moment d'avance, elle est en dehors du temps d'une certaine manière, et c'est au moment où on va la comprendre, où on va comprendre ses règles du jeu, qu'on va la ramener dans notre modernité. Donc elle est quelque part une forme d'anticipation qu'on ramène dans notre présent parce qu'on va inventer ses propres règles du jeu. Ça y est, c'est fait. Un quart d'heure ou 10 minutes. Là, c'est super dur d'en parler tant je suis encore sur le vif. Mais je crois que ça va être une belle journée à cogiter et à penser. Ça va très vite, en fait. Finalement, je m'étais préparé à un espèce de cheminement de pensée et en fait, que j'ai pas pu tenir. Mais c'était plutôt chouette, au final. Tout est dans la bienveillance, pas de question de piège, mais juste des. Je cherchais à vraiment comprendre ce qui animait mon boulot, quoi. C'était très dense, j'essayais de parler vite, mais j'ai pas pu parler de tout ce dont j'avais envie de parler. Mais en tous les cas, c'est bienveillant. J'ai l'impression que j'ai dit pas mal de choses, mais pas tout ce que je voulais. Après, si ça dure 15 minutes, c'est peut-être un peu difficile. Pourquoi je l'aurais pas dit ça, mais... je suis hyper contente, je suis hyper soulagée là. J'ai passé mon jury, j'ai ma vidéo, elle marche, c'est bon quoi. C'était vraiment pas désagréable comme moment. Mais là c'est bon, je vais pouvoir profiter un peu là. C'est donc la quatrième année de la bourse Révélation Imerige, un projet qu'on a créé avec Laurent Dumas, avec Angélique Gobert, avec les équipes d'Imerige et des équipes ici de la Villa, voire là l'équipe Stéphanie Dumas qui s'occupe de cet espace et qui nous accueille ce soir. C'est la quatrième édition de cette bourse. On est mesure tous les ans un peu plus le succès. On est très très honorés, personnellement je suis très touché de voir le succès que rencontre ce projet. Malheureusement, c'est pas le pire moment pour voir les œuvres et l'exposition, donc je ne sais pas quoi vous dire. Idéalement, buvez un verre et revenez, surtout à un moment où ça sera plus calme. Quand on choisit une œuvre, quand on réfléchit à une œuvre, on nous demande toujours quels sont nos critères. Et là, c'est bien légitime dans une bourse avec autant de sélection. Mais le vrai critère, le critère qui reste au final, c'est ce critère du petit vertige qu'une œuvre vient créer dans nos représentations et dans nos savoirs, dans notre connaissance. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en scène, d'une certaine manière, de mettre en avant ici. Malheureusement, on doit faire une sélection. Il y aura donc un ou une lauréate ce soir. Mais ça, je vais laisser à Laurent le soin de le dire. L'artiste qui sera représenté par Chouela, ce sera Alice Guita. Cette année sera Linda Fanchon.